have to start a little slower. Yeah, it's only 48 kilometers, but 2000 meters of climbing. Là ouais, j'ai un peu peur parce que je suis pas trop habitué à ce genre d'effort, mais là ça va vraiment être dur, mais on va essayer de tout faire pour garder le maillot et on va voir comment ça va se passer. J'ai vu sur le classement hier qu'on était 3 dans 3 secondes, donc il va falloir être fort aujourd'hui je pense pour le garder. Je suis pas sûr du tout d'arriver à le conserver. Et là on va voir, comme j'ai eu un petit problème, je me suis fracturé une côte là il y a 5 jours, et ben on avait l'altitude et tout, faut voir, on verra, on va laisser venir, on va gérer la course, essayer de la faire au mieux possible et on avisera après. Les choses sérieuses ont commencé. Nos valeureux et valeureuses engagés dans la Transmaurienne 2017 vont parcourir 47 km pour les pilotes engagés sur le parcours du 9000, environ 2000 mètres de dénivelé positif et négatif au programme. Chez les plus endurcis en catégorie Elite Homme, deux candidats sérieux pour le classement général Excel, le Suisse Marc Stutzmann, gagnant de l'édition 2016, et Oliver Zurbrugg, sixième l'an dernier. Ces deux-là sont en tête de course et vont imposer un rythme d'enfer aux autres prétendants au podium. Comme le français Joseph de Porter, auteur d'un excellent prologue, il porte le maillot jaune de leader et tient le tempo, accompagné d'Hugo Briatta. Il fait la course et je suis ici avec mes copines pour rouler la familiale. C'est notre fille qui nous a motivés, je pense. C'est plus elle voulait la faire autant que nous. Hein. J'ai essayé de faire de mon mieux. Se faire plaisir, principalement en famille. C'est des vacances sportives en fait. Le mode randonnée permet à des gens venus de partout de profiter de la beauté sauvage des Alpes, à un rythme tout différent, sur un parcours plus facile, mais tout aussi remarquable. Ça vaut la peine, hein. Faut dire que ce genre de paysage, on ne le trouve pas chez nous. Donc on est bien contents, ouais. Il y a une ambiance avec les autres BTTistes, les ravitaux, on aime bien être dans cette communauté, l'ambiance du groupe. Ouais. Pour l'instant, pas mécontent d'avoir fait le voyage. Si ça dure les 3 jours qui restent après comme ça va être génial. Retour en piste, ils sont roue dans roue depuis le départ. Marc Stutzmann va franchir la ligne et devient leader, moins de 20 secondes devant Oliver Zurbrugg. À une minute, Joseph de Porter, qui craignait de ne pas tenir le choc, est bien là, toujours en embuscade, suivi de près par Hugo Briatta. It's a big fight with Oliver. I think he's a strong guy and we will see tomorrow. It's a really tough day with steep uphills and some really difficult downhills, and you can never make a break. C'est sûr que les parcours c'est pas du tout les mêmes, mais ouais, comme tu disais, c'est vachement rare de passer contre des lieux comme ça aussi beau et aussi beau. Margot Moschetti, après un prologue impeccable, vient de frapper très fort sur cette première étape. Elle est solide meneuse du général, mais il reste 3 étapes où tout peut arriver et vous allez adorer les regarder en notre compagnie.